Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil de la MRC du Rocher Percé du 17 octobre 2018. Alors, allons-y. Ouverture de la séance, vérification du quorum. Tout le monde est présent, mais on souligne la présence de M. Warren qui se joint à nous pour remplacer Mme Poirier pour la ville de Percé. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2018. 1.4, dépôt et adoption de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 septembre 2018 au 11 octobre 2018. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer. 1.6, dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2018 versus 2017. 1.2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité. Règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. 2.2, avis de conformité, règlement relatif à l'émission des permis et des certificats numéro 2018-238 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. 2.3, avis de conformité, règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. 2.4, avis de conformité, règlement de construction numéro 2018-240 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. C'est là que ça se passe? Oui, hein, c'est... 2.5, avis de conformité, règlement de lotissement numéro 2018-241 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Oui, il y a beaucoup de points pour Sainte-Thérèse-de-Gaspé, mais c'est parce qu'ils sont en train... Ils se conforment, c'est ça le bon terme? Ils se conforment oui. au règlement, au schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé. C'est en plein ça. Alors, bravo à vous, parce que c'est une autre étape. 2.6, avis de conformité, règlement numéro 2018-11, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, entente intermunicipale pour le transfert de propriété des sites de compostage et de traitement de fosses septiques à la RET-MRG. 3.2, octroi de contrat, appel d'offres PS001-2018, travaux de nivellement du terrain, dossier SOL. 3.3, octroi de contrat, déneigement de l'écocentre de Gascon. 3.4, autorisation de paiement Solinov, demande de modification de certificat d'autorisation du lieu de compostage de Chandler. 3.5, octroi de mandat, quantification et déclaration des émissions de GES pour le projet de compostage de la MRC du Rocher-Percé. 4, développement économique local et régional. Alors, 4.1, le fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations. 5, sécurité publique, nous n'avons rien à l'ordre du jour. 6, transport. 6.1, aéroport, avis de motion. Règlement numéro 216-2007, décrétant les coûts de certains services et frais de l'aéroport du Rocher-Percé. 6.2, aéroport, octroi de mandat, service d'arpentage Jean-Louis Leblanc, relevé topographique pour agrandissement de la piste. 6.3, aéroport, octroi de mandat, Tetra Tech. Estimation classe D, réfection et agrandissement de la piste de l'aéroport. 6.4, aéroport, octroi de mandat Englobe, étude géotechnique, prolongement de la piste de l'aéroport. 6.5, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale de transport en Gaspésie-Ville-la-Madeleine. 7, programme de rénovation, 8, correspondance, 9, affaires nouvelles, la période de questions et ensuite la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2018, qui était présidée d'ailleurs par M. Henri Grenier. Alors, merci beaucoup. Il me remplaçait. Moi, j'avais un petit de la maladie familiale. Alors, j'étais à l'extérieur. Alors, merci beaucoup, M. Grenier. Est-ce que tout le monde a reçu le procès-verbal? Oui. Est-ce que tout semblait conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, Mme Langlois. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 septembre 2018 au 11 octobre 2018. Monsieur Grenier. Oui, Madame le Préfet, Madame le Maire, Monsieur les Maires, Monsieur le Promaire. Donc, pour la période du 14 septembre 2018 au 11 octobre 2018, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 13 586 à 13 639, au montant de 430 872,47 ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 25-23 à 25-42 au montant de 45 980,93, le tout pour un grand total de 476 853,40, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 11 octobre 2018. Oui, c'est au montant de 12 138,43. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Grenier.
1.6, dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2018 versus 2017. Monsieur Grenier. Considérant que les états financiers comparatifs de la MRC de Rocher-Percé pour la période du 30 septembre 2018 versus 2017 ont été déposés au conseil de la MRC lors de la séance de travail du 16 octobre 2018, il serait appuyé et résolu unanimement que le conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la municipalité régionale de Comté pour la période du 30 septembre 2018 versus 2017. Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, le point 2, aménagement, urbanisme et environnement. Madame Roussy. Oui. Donc, avis de conformité, règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé a adopté, lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 août 2018, le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2018-237. Considérant qu'en vertu de l'article 109.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue à l'article 109.6, le conseil de la MRC l'examine et l'approuve s'il est jugé conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et développement et aux dispositions du document complémentaire ou le désapprouve dans le cas contraire, considérant que le règlement numéro 2018-237 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC déclare par la présente conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et développement et aux dispositions du document complémentaire, le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Je propose. Merci, M. Grenier. Donc, pour ce qui est des règlements suivants, je vais en faire une seule lecture, étant donné qu'on a les mêmes considérants, si tout le monde est d'accord, puis on pourra ensuite prendre une proposition. Considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse a adopté, lors de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 14 août 2018, le règlement relatif à l'émission des permis et certificats 2018-238, le règlement de zonage numéro 2018-239, le règlement de construction 2018-240, le règlement de lotissement 2018-241. Considérant qu'en vertu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue à l'article 137.2, le conseil de la MRC l'examine et l'approuve s'il est jugé conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire. Considérant que les règlements mentionnés plus tôt ne contreviennent à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, sur proposition 2 et du m'appuyer, serait résolu que le conseil de la MRC déclare par la présente conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire, le règlement relatif à l'émission des permis certificats numéro 2018-238. Je propose. Merci, Mme Langlois. Du règlement de zonage numéro 2018-239. Je propose. Merci, M. Cyr. Du règlement de construction numéro 2018-240. Je propose. Merci, M. Warren. Et finalement, du règlement de lotissement numéro 2018-241. Je propose. Merci, Mme Langlois. Je vais juste faire le point parce que je trouve que c'est toujours compliqué quand on arrive dans ce jargon-là. Puis si des gens nous écoutent, on aime bien expliquer. Le gouvernement nous donne des orientations gouvernementales. Ici, on a l'obligation à la MRC de faire un schéma d'aménagement qui est en fait la planification de notre territoire pour son développement. Alors, le développement territorial, c'est les maires qui approuvent le schéma d'aménagement. Et par la suite, chaque municipalité font les règlements et le plan de zonage à partir de ce schéma d'aménagement-là. Alors, il doit être plus sévère ou au moins égal au schéma d'aménagement. C'est ça, Mme Roussy? C'est bien sûr. Alors, actuellement, Sainte-Thérèse vient de refaire ses règlements municipaux. Et à ce moment-là, ils doivent se reconformer au schéma d'aménagement. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on lui accorde la conformité de chacun de ces éléments-là. C'est pour mieux encadrer la gestion de nos territoires. Exactement. Et c'est la planification. On en parle toujours ici. C'est la planification. Si on veut développer, il faut qu'on soit bien planifié. Tout à fait. C'est ça. On vise l'objectif de l'harmonie des usages. Harmonie des usages, oui. Un terme très important. Et il nous en reste un, et cette fois-ci pour Port-Daniel Gascon. Alors, Mme Roussy, 2.6. Oui. Considérant que la municipalité de Port-Daniel Gascon a adopté à la séance ordinaire tenue le 9 octobre 2018 le règlement 2018-11 modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement
et de développement révisé, le règlement numéro 2018-11 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. J'approuve ma terre natale. Merci, Mme Langlois. Je vais faire un autre petit point, vu qu'on est dans le dossier d'aménagement. Vous m'entendez parler d'OGAT, les maires sont au courant. Dans les médias, on parle des OGAT, et ce n'est pas tout à fait clair c'est quoi les OGAT. Alors, c'est les orientations gouvernementales en termes d'aménagement du territoire. C'est le gouvernement qui nous donne des orientations, qui nous force à appliquer le schéma d'aménagement dans cette voie-là. Et actuellement, ils veulent nous reproposer des nouvelles orientations gouvernementales, mais qui enlèvent beaucoup de latitude aux MRC, aux municipalités, pour être capables de bien planifier leur territoire. Alors, c'est un dossier qui est quand même chaud, qu'on va parler de plus en plus dans les prochains mois. Et c'est vraiment pour être sûr que le gouvernement nous donne la latitude dans la région de la Gaspésie d'être capable d'avoir des orientations qui sont adaptées à la réalité ici, alors aux régions rurales. Il est en suspens actuellement? Il est présentement en suspens. Et idéalement, ça va rester comme ça pour un petit bout, mais on juge que ça va revenir éventuellement à charge et on veut juste être prêt. On en parle, les préfets, on en parle beaucoup quand on est entre nous, les maires aussi de notre côté, parce que c'est important d'être capable de décider chez nous. Alors, c'est un droit qu'on va revendiquer de continuer à décider chez nous. Alors, point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, entente intermunicipale pour le transfert de propriété des sites de compostage et de traitement de boues de fosses septiques à la régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Monsieur Grenier. Oui, considérant l'entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles, conclue le 23 septembre 2009 entre la Ville de Gaspé et la MRC du Rocher-Percé, considérant l'entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles, conclue le 13 janvier 2013, entre la Ville de Gaspé et la MRC du Rocher-Percé, modifiant et remplaçant l'entente sudite, considérant aussi que l'entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles conclue le 15 juillet 2014 entre la Ville de Gaspé ainsi que la MRC du Rocher-Percé, modifiant et remplaçant l'entente sudite, considérant que les sites de compostage et de traitement de boues de fosses septiques, propriété de la municipalité régionale de Côté du Rocher-Percé, reçoivent les matières provenant de la Ville de Gaspé depuis près de 4 ans, pour les boues et quelques mois pour le compostage, donc ils seront considérés comme des clients. Considérant que la MRC des Rochers-Percé, la Ville de Gaspé et la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie ont enclenché depuis un an une démarche en vue de modifier les mandats de la dite Régie de transférer la propriété des sites de compostage et de traitement des boues de fosses septiques à cette entité, le tout pour l'objectif d'un partage de coûts entre les usagers de la MRC des Rochers-Percé et la Ville de Gaspé. Considérant que les représentants de la MRC des Rochers-Percé et la Ville de Gaspé se sont attendus sur les grandes lignes d'une entente, considérant qu'il est dans l'intérêt de la MRC des Rochers-Percé et de la Ville de Gaspé de modifier l'entente intermunicipale pour permettre notamment le transfert des sites de compostage et de traitement des boues de fosses septiques à la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, considérant qu'il y a lieu de préparer un projet d'entente intermunicipale pour remplacer celle conclue le 15 juillet 2014, il serait proposé et lui appuyé et résolu que le conseil de la MRC des Rochers-Percé mandate le directeur général, M. Grenier, pour préparer un projet d'entente intermunicipale afin de permettre le transfert des sites de compostage et de traitement des boues de fosses septiques à la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles à Gaspésie, en collaboration avec Mme Nathalie Drapeau, directrice générale de cette régie, ainsi que M. Dave Sainte-Croix, directeur des services administratifs, et M. Sébastien Fournier, directeur général de la Ville de Gaspé. Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, juste pour faire un peu d'explication autour de ça, je pense qu'il va y avoir une annonce officielle si jamais l'entente est conclue, est signée. Mais ce qu'on est en train de regarder, c'est de devenir partenaire au niveau du site de compostage avec la Ville de Gaspé, comme on est actuellement avec le site d'enfouissement. Alors, ouais. Ça nous permet de répartir le risque. Ça nous permet aussi d'assurer un volume au site de compostage. Et ça se traduit sur une baisse au niveau des services, mais des coûts des services pour les citoyens. Alors, ça serait un très bon un bon coût pour nous et aussi un très bon coût pour Gaspé, qui n'aurait pas besoin de se rebâtir un site de compostage à eux. Alors, on va souhaiter que ça va être concluant, M. Grenier? Bien, en espérant. j'ai confiance. Parfait. 3.2, octroi de contrat, appel d'offres. PS001-2018, travaux de nivellement de terrain, dossier Saul. Oui, considérant que la MRC de Rocher-Percé a demandé, les soumissions sur invitation pour effectuer des travaux de nivellement de sol, finalisation du site des Saules. Considérant que la MRC a reçu 2 soumissions pour effectuer les travaux, soit excavation HL et construction Jean et Robert. Considérant la priorité de gestion contractuelle de la MRC, il serait proposé et appuyé et résolu que le conseil de la MRC des Rochers-Percé accorde le contrat à l'entreprise Excavation HL sur les tarifs prévus de la soumission déposée article 1.12, soit
le tout en conformité avec le devis d'appel d'offres. On parle des travaux pour les pelles, camions, bulldozers, camions en route, arpenteurs. C'est tout des tarifs horaires pour chacun des éléments. Je propose. Merci, Mme Langlois. Excusez-moi. L'éco-centre? Oui, c'est ça, je vais être sûre. Oui, c'est ça. OK. C'est, votre proposition, Mme Langlois, c'était pour le dossier SAUL. Oui, parfait. 3.3, octroi de contrat déneigement de l'éco-centre de Gascon. Pardon. Oui, considérant que la MRC de Rocher-Percé a demandé les soumissions sur invitation pour effectuer des travaux pour le déneigement des accès et aires de travail menant à l'éco-centre de Gascon, ainsi que les fournitures d'équipements pour la manipulation des matières. Considérant que la MRC a reçu deux soumissions pour effectuer les travaux, soit déneigement JHD Inc. Et M Transport de la Rivière Inc., considérant la politique de gestion contractuelle de la MRC, il serait proposé et appuyé et résolu que le conseil de la MRC de Rocher-Percé accorde le contrat à l'entreprise déneigement JHD Inc. pour le déneigement 2018-2019 au montant de 3 700 plus taxes et pour le tri des matières au taux horaire de 80 le tout en conformité avec le devis d'appel d'offres. Je propose. Merci, M. Blondin. 3.4, autorisation de paiement Solinov, demande de modification de certificat d'autorisation du lieu de compostage de Chandler. Oui, c'est un montant de 11 525 $. Le mandat a permis aussi en même temps de modifier notre certificat d'autorisation pour accueillir les matières en quelque part autres que, qui venaient à l'extérieur de la MRC des Rochers-Percés. On peut dire que c'était l'avis de respect. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Warren. 3.5, octroi de mandat, quantification et déclaration des émissions de gaz à effet de serre 2016-2017 pour le projet de compostage de la MRC du Rocher-Percé. Oui, nous avons reçu une aide financière, rappelez-vous, de 1,7 million, puis on avait des engagements, donc ça fait partie de nos engagements pour obtenir cette aide financière. Considérant l'engagement de la MRC à l'exploitation du projet de compostage des matières organiques, considérant l'offre des services professionnels reçus pour les honoraires professionnels à la quantification et déclaration des émissions de GES, aussi de compostage de la MRC des Rochers-Percés, il serait appuyé et résolu que le conseil de la MRC des Rochers-Percés accorde le mandat quantification et déclaration des émissions de GES en année 2016-2017, projet de compostage à la firme Solinov au montant de 5 325 plus taxes. Que cette dépense soit portée au budget 2018 volet matières résiduelles. Je propose. Merci, M. Grenier. On parle beaucoup du site de compostage, on parle beaucoup de matières résiduelles, mais c'est un gros poste de dépenses pour les municipalités. Et en fait, on est un exemple actuellement au Québec avec la façon que nos matières résiduelles sont gérées. Nous, on n'a pas eu le choix d'aller un petit peu plus rapidement que d'autres MRC parce que avec la grandeur du territoire et la distance que nos déchets doivent faire, il fallait qu'on trouve des façons de baisser les coûts. Et aujourd'hui, mais on est un exemple et on est souvent cité là dans les quand on va dans les congrès municipaux et tout ça, on est cité un exemple comme étant vraiment à l'avant-garde de la manière qu'on gère nos matières résiduelles. Il y a un élément clé là-dedans, c'est que le citoyen vraiment fasse sa part de s'assurer de composter et de recycler parce que tout ce qui ne se rend pas dans le bac vert, c'est le vert qu'on enfouit. Vert ou noir. Moi, je le vois rarement, le vert, parce que je recycle tout et je composte tout. Mais le moins de stock qu'on a dans le bac vert, le moins cher que ça coûte à nos citoyens. Alors, il faut vraiment essayer de récupérer, recycler et composter. Alors, c'est mon éditorial de la séance. Il y a aussi, là, si vous me permettez, Madame la préfète, c'est que la semaine prochaine, le centre de tri va être ouvert au public. Donc, c'est vrai. C'est la semaine de la gestion des matières résiduelles. Et effectivement, M. Cyr, merci de le mentionner, il va y avoir des portes ouvertes au centre à Grande-Rivière pour vraiment expliquer comment on gère nos matières résiduelles ici dans la MRC du Rocher-Percé. Et honnêtement, c'est très intéressant de voir même toute la récupération du verre, tout du ça. Verre. Alors, on va vraiment loin avec ce qu'on est en mesure de faire avec nos poubelles ici. Puis je trouve que on est un bel exemple. Et j'inviterai les citoyens à prendre un rendez-vous au centre de tri. C'est au centre de tri, qu'ils peuvent appeler. On a l'information sur la page Facebook de la MRC. Oui. L'information, même au centre de tri sur la page Facebook de la régie. Oui, exactement. De la régie. Donc, toutes les informations, les heures, la façon, la procédure. Moi, je peux vous confirmer que l'école primaire de Sainte-Thérèse va y aller. Ah oui? Ça va peut-être motiver la commission scolaire aussi.
Oui. Oui, effectivement, c'est vrai que ça va être une démarche. On va essayer de s'assurer que, nos établissements gouvernementaux fassent aussi l'effort là, de leur côté de composter et recycler. Alors oui, c'est une petite pointe bien reçue parce qu'on va faire ce suivi-là. C'est en fait une entente qu'on s'est fait là, de c'est faire ce suivi-là. C'est important que nos institutions embarquent. Oui, effectivement. Surtout qu'on a les équipements pour, en plus. Oui, okay. Mais on va en parler comme convenu à la prochaine séance. C'est quelque chose qu'on va parler. Exactement. Développement économique local et régional, 4.1, fonds d'aide aux organismes, FAO, M. Grenier. Nous avons quatre dossiers pour ce soir. Le premier, c'est l'administration portuaire de Grande-Rivière. La phase 1, études financières et techniques, un montant de 5 940 a été accordé pour un coût de projet de 20 700. Le deuxième, en quelque part, c'est pour Tous unis pour la démographie. Donc, c'est des actions qui sont développées avec nos partenaires locaux et régionaux, un montant de 41 500. Le coût de projet de 64 700. Le troisième, c'est la télévision communautaire de Grande-Rivière, l'acquisition d'équipements numériques, si je ne me trompe pas, en quelque part, un montant de 20 000, un coût de projet de 30 000. Le quatrième, c'est place aux diffuseurs de la MRC de Rocher-Percé. Donc, on a nos deux diffuseurs sur le territoire, soit la vieille usine ainsi que Sapinard, un montant de 10 000 pour un coût de projet de 10 000. La subvention totale de 84 440 et le coût de projet de 125 400. Je propose. Merci, M. Blondin. Je vais juste mentionner administration portuaire de Grande-Rivière. C'est pour l'installation d'un parc d'hivernement pour des bateaux de 50 pieds et moins. Alors, c'est un beau projet là, pour notre MRC. Et aussi, Tous unis pour la démographie, vous avez probablement déjà entendu parler de ce projet-là comme contrer la démographie. On a décidé de changer de nom parce que contrer, c'est négatif. Tandis que Tous unis pour la démographie, c'est beaucoup plus positif comme message. Et on s'est vraiment donné une direction de dire que la démographie, c'est un enjeu majeur dans la MRC du Rocher-Percé, et on va faire des mesures et des actions concrètes pour être capable d'essayer de stabiliser notre situation démographique. 6.5, sécurité publique, il n'y a rien à l'ordre du jour. En affaires nouvelles, je vais mentionner un petit mot là, juste sur toute la légalité. C'est la première journée où le cannabis est légal, alors je le mentionnerai en affaires nouvelles, là, comment nous, on va approcher ça ici à la MRC. Point 6, transport. 6.1, aéroport, avis de motion, règlement numéro 216-2007, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé. Monsieur Grenier. Oui, ça prendrait un élu pour faire l'avis de motion. Je fais l'avis de motion. Donc, l'avis de motion est donné par M. Gino-Cyr à l'effet que lors d'une prochaine séance au Conseil de la MRC, le règlement numéro, on va décréter un numéro décrétant les coûts de certains services et frais de l'aéroport de Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 216-2007 sera présenté pour adoption. Parfait. Alors, l'avis de motion est fait. Est-il donné par M. Cyr. 6.2, aéroport, octroi de mandat, service d'arpentage Jean-Louis Leblanc, relevé topographique pour agrandissement de la piste. M. Grenier. Oui. Il serait résolu que le Conseil des MRC de Rocher-Percé octroie le mandat pour la réalisation des relevés topographiques pour l'agrandissement de la piste de l'aéroport au service d'arpentage Jean-Louis Leblanc. Et le montant était de 2 800 Je propose. Merci, Mme Langlois. 6.3, aéroport, octroi de mandat, Tetra Tech, estimation, classe D, réfection et agrandissement de la piste de l'aéroport. Oui, ça sera au montant de 8 850. Est-ce que quelqu'un propose? J'ai proposé. Merci, madame. C'est une autre proposition. Oui, parfait. Merci, madame Langlois. 6.4, aéroport, octroi de mandat, Englobe, étude géotechnique, prolongement de la piste de l'aéroport. Oui, quand on parle d'une étude géotechnique, c'est une étude de sol, ça serait au montant de 19 630. Pour le prolongement de la piste de l'aéroport. Je propose. Merci, M. Blondin. Je vais arrêter ici deux secondes, juste pour expliquer pourquoi que là, tout à coup, on a plein d'études là, pour le dossier de l'aéroport. Comme vous le savez... On a grandi l'aéroport. Mais en fait, on souhaiterait bien le faire. Alors, pendant longtemps, on a travaillé pour essayer de convaincre le gouvernement d'ouvrir un programme qui pourrait s'appliquer aux aéroports de plus petite taille comme nous, qui n'avons pas de transporteurs réguliers. Et il n'y a aucun programme qui pouvait accompagner les MRC, les municipalités pour la réfection ni l'agrandissement ou la mise à niveau des aéroports dans les municipalités et les MRC qui n'avaient pas de transporteurs réguliers.
Actuellement, et juste au mois de juin, d'après moi, il y a un projet, un programme qui a ouvert et la MRC du Rocher-Percé, nous avons déposé notre demande pour la mise à niveau de la piste d'aéroport. Et c'est surtout pour assurer la santé de nos citoyens. C'est l'argument qu'on utilise, c'est que nos citoyens ont droit au même traitement et au même, à la même rapidité de services médicaux que dans les grands centres. Alors, notre dossier est à l'étude. On souhaite que cette fois-ci, c'est la bonne, parce que moi, depuis que je suis préfet, c'est la troisième fois qu'on dépose le projet. Mais on a vraiment l'intention et l'impression que c'est sur la bonne voie, sur la bonne piste. Excusez le jeu de mots. Alors, hein? Là, on a un problème de pilote. Hein? Oui. De pilote. Moi, je pourrais rajouter que tous ces coûts-là, qu'on fait, c'est subventionné à 90%. Oui, exactement. C'est déjà des coûts admissibles. Alors oui, on engendre des coûts, mais ils sont admissibles là, au programme. 6.5, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Alors, le régime, là, la régime. Le régime? Considérant que la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine regroupant les 5 municipalités régionales de comté de la Gaspésie, ainsi que la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, agissant dans le cadre de ses compétences d'agglomération, a été constituée le 11 août 2012 et mise en opération le 1er janvier 2013 avec le mandat de planifier et de mettre en œuvre et coordonner les services de transport collectif sur son territoire. Considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chacune des MRC dont le territoire est soumis à sa compétence, considérant que le conseil d'administration de la Régie a adressé son budget pour l'exercice financier 2019 dont copie a été transmise à la MRC pour adoption, considérant que ce budget prévoit une contribution financière de 19 524 de la part de la MRC du Rocher-Percé pour son soutien au fonctionnement du transport collectif pour l'année 2019. On a eu une augmentation, je pense, de 150 $ environ par rapport à l'année passée. Considérant aussi que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, il serait résolu et appuyé que le conseil de la MRC des Rochers-Percés adopte le budget de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour l'exercice financier 2019 tel que soumis dans copie au dudit budget et joint la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. M. Warren qui a levé le doigt. Ah, pardon. Point 7, programme de rénovation, on n'a pas encore de nouvelles. Les démarches continuent toujours. On essaye d'avoir des augmentations au niveau des programmes de rénovation. Point 8, correspondance, c'est une période assez tranquille. D'après moi, avec la période électorale, on n'a pas autant de correspondance qu'on aurait habituellement. Au point 9, affaires nouvelles, je vais commencer en félicitant nos nouveaux députés qui ont été élus. Et félicitations à Mégane Perry-Melançon et à Sylvain Roy. Ça va être un plaisir de travailler et de collaborer avec vous. Et je vais quand même faire une petite parenthèse parce qu'on ressent dans la population, on a eu cette vague, nouveau gouvernement qui rentre et tout, mais on est prêt à travailler avec eux. On s'est fait une belle planification stratégique. On va commencer à faire nos représentations et on va continuer à travailler avec ce nouveau gouvernement comme on l'a toujours fait dans le passé avec les autres. Alors, de juste rassurer les citoyens qu'on est une équipe, on travaille fort et on va être capable de faire de la représentation et se créer des réseaux contacts comme on l'a fait dans le passé. Ce n'est pas notre première fois à l'opposition. On va travailler avec les députés en place et je suis certaine que ça va bien aller. Le deuxième point que j'aimerais amener à faire nouvelle, c'est justement le dossier de cannabis. J'ai eu beaucoup de journalistes aujourd'hui qui m'ont appelé, qui ont appelé les maires pour savoir comment nous, on s'y prenait avec le dossier de cannabis. C'est sûr que c'est un dossier qu'on veut traiter au niveau de la MRC. Alors, chaque municipalité est libre de faire les règlements qu'ils veulent dans le dossier de cannabis, mais c'est beaucoup plus facilitant pour nos citoyens si c'est la même réglementation à la grandeur de la MRC. C'est aussi beaucoup plus facile pour la Sûreté du Québec pour mettre en application ces règlements-là. Alors, au comité de sécurité publique, on va tous regarder ça et on va sortir avec un règlement qui va probablement ressembler à ce que le gouvernement propose avec quelques nuances près. Là. Alors, on aura plus de détails là-dessus dans les mois à venir. Il y a une période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la foule? Levée de la séance? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.